Dean Elvis Okombi Talisa, humilié par le cercle restreint du dictateur Denis Sassou Nguesso après les législatives mouvementées dans la localité de Ngo. Lu à la télévision nationale, les résultats donnent sans appel son adversaire politique, Eric Ngongarankwa, victorieux. Il est contrôlé par le Bureau national de la CNI qu'il a transmis pour proclamation au ministre chargé des élections. Il se présente comme suite. Élection législative. Inscrit 13 139. Votants 6864. Taux de participation 52,24%. Bulletin nul 253. Suffrages exprimés 6111 ont obtenu. Ngongara Kwa Eric Didier, UPDP, 3412 voix, soit 51,61%. Talisa Okombi Dean Elvis Lota, UMP, 2440 voix, soit 36,91%. Une victoire qui s'apparente à celle de Raymond Mboulou, rival politique de Dean Elvis Okombi Talisa. Ce qui se passe dans le district de Ngo est tragique. Je crois que de ma petite expérience électorale, je n'ai jamais vu une situation aussi tragique que ce qui se passe au niveau du district de Ngo. Le président de la commission locale, M. Jean-Paul Efaka, est porté disparu depuis 72 heures, sans avoir terminé les opérations de compilation avec les autres membres de la commission. Aujourd'hui, à Ngo, nous avons encore les délégués de la CNI, la commission locale, mais le président de la commission locale est porté disparu. Cet ancien député de la localité de Ngo est sans doute mal au point lorsque l'on voit l'énergie déployée lors de la dernière élection présidentielle de mars 2021 pour soutenir le candidat dictateur Denis Sassou Nguesso. Dean Elvis Okombi Talisa, qui se targuait d'être un brillant homme d'affaires d'un vent médiocre que nous avons pu écouter et partager sur notre chaîne YouTube. Nous lui souhaitons bon vent. Dans la vie comme en politique, la confiance a une date d'expiration. Tel est l'avenir réservé à tous les partisans aveugles de la famille Sassou Nguesso.